Cinquième président pour le Parlement européen, Enrique Barón, socialiste espagnol, a été élu au premier tour avec les voix des socialistes et des démocrates chrétiens. Les comptes de la sécurité sociale en bonne santé, un peu plus de rigueur et une bonne conjoncture ont permis d'enrayer le déficit. L'exploit de Louis Blériot n'a pas été renouvelé. 80 ans après, la traversée de la Manche échoue dans la vague. Météo, les orages s'éloignent, les nuages se dissipent, la chaleur se maintient. Madame, Monsieur, bonsoir. Première session du nouveau Parlement européen aujourd'hui à Strasbourg. Les 518 députés européens ont procédé à l'élection d'un nouveau président et de 14 vice-présidents.